Nous avons décidé avec les organisateurs de donner comme titre à cette intervention « Développer le jugement moral des citoyens par la pratique de la discussion à visée philosophique en EMC ». Vous avez déjà là tout le menu. À la fois comprendre, ce sera l'objet de l'exposé, que probablement la finalité de l'enseignement moral et civique pourrait se résumer à dire développer le jugement moral et citoyen. Nous verrons que je propose aussi de dire développer le jugement normatif, on verra pourquoi. Ça, c'est pour la finalité. Il faudra alors s'interroger sur la capacité à développer ce jugement. Et comme le disait Laurence Lefel, il faut procéder d'un point de vue didactique et aussi pour ne pas ennuyer les élèves par plusieurs méthodes, plusieurs moyens, mais qui doivent tous être appropriés à cette finalité. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de mettre le focus sur la discussion à visée philosophique, et non pas discussion philosophique, ça va de soi, mais à visée philosophique, puisque, disons que de toute façon, de 5 à 14 ans, puisque Laurence Lefel parlait de ma tranche d'âge, mais même jusqu'à 15 ans, je pense qu'on ne peut pas parler de discussion philosophique à l'école, tout simplement pour des raisons cognitives évidentes sur lesquelles on pourra revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Donc, le programme va se situer en trois points et je vous propose tout de suite de réfléchir à cette expression « enseignement moral et civique » dans laquelle figure le mot « enseignement ». Qui dit « enseignement » dit « discipline, matière, savoir à transmettre ». Et donc, on va voir en quoi. Donc, qui dit « enseignement moral et civique » dit qu'il y a une spécificité à enseigner, et s'il y a spécificité à enseigner, il y a une didactique qui y est associée, plus une déontologie de l'enseignant qui est ici tout à fait, en effet, particulière. Donc, j'aborde dans l'ordre. D'abord, quelle spécificité ? On peut dire, d'un point de vue synthétique, que l'EMC porte sur la transmission d'un savoir pratique et non d'un savoir théorique. Donc c'est une distinction qu'on fait depuis Aristote, c'est la différence entre épistémé et sophia, qu'on retrouve évidemment dans philosophia, c'est-à-dire qu'un savoir théorique, c'est grosso modo toutes les disciplines à part la morale et le droit. Je crois que toutes les disciplines universitaires sont des exemples de savoir théorique. Et tous les énoncés qui constituent ce savoir sont des énoncés qu'on appelle, sur le plan linguistique, des énoncés descriptifs et constatifs. Je vous en ai choisi quelques-uns pour bien se faire comprendre. Les insectes ont trois paires de pattes, les arachnides en ont quatre. 2 + 2 = 4, ce fleuve se divise en deux. La morale d'Aristote est eudémoniste. Donc quand on se place dans une perspective philosophique qui consiste à décrire la philosophie d'un auteur, eh bien, on décrit ce qui est et donc on transmet un savoir théorique. En revanche, lorsqu'on fait de l'enseignement moral et civique, on se situe au niveau de la transmission d'un savoir pratique, constitué d'énoncés qu'on appelle sur le plan linguistique des énoncés normatifs et prescriptifs, c'est-à-dire des énoncés qui prennent la forme de « il faut », « je dois », « nous devons », que ces formules soient explicites ou implicites. Donc, par exemple, il faut dire la vérité pour garder la confiance, il faut considérer que les hommes sont égaux, quel que soit leur sexe ou leur religion, il est interdit de voler, etc. Il s'agit là d'énoncés normatifs et prescriptifs.
Donc, en résumé, et ce n'est pas pour rien, à mon avis, que la plupart des enseignants ou les futurs enseignants sont parfois mal à l'aise vis-à-vis de cet enseignement moral et civique, c'est que toute leur formation tourne autour de la transmission de savoir théorique, c'est-à-dire de ce qui est, alors que l'enseignement moral et civique tourne autour de l'enseignement de ce qui doit être ou de ce qui est souhaitable. C'est donc une formation à part, qui n'est pas toujours prise avec cette spécificité dans les universités, c'est un peu dommage, parce que c'est là où on est le moins bien formé. Alors, je fais évidemment une remarque de départ, surtout puisqu'on est en France et qu'on a des problèmes avec les énoncés normatifs. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais ce n'est pas parce que je dis « il faut dire la vérité pour garder la confiance » que cet énoncé est forcément vrai, juste, légitime. Je prétends dire une vérité ou je prétends dire que c'est ça qu'il faut faire, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le faire. Donc, j'ai souligné que les énoncés sont des prétentions au juste qui ne sont pas forcément justes, et c'est la raison pour laquelle je peux faire le lien avec la fin de l'exposé de Laurence Lefel. Nous sommes là justement pour faire réfléchir les élèves sur ces prétentions au juste, pour voir si nous allons trouver des raisons qui favorise ou qui légitimise cet énoncé ou pas. Nous ne sommes pas là pour transmettre donc une morale toute faite. Donc ce n'est pas parce que l'EMC transmet un savoir pratique que les énoncés normatifs doivent être transmis comme des vérités a priori, ce qui serait du moralisme. Ce n'est pas du tout ça qu'on fait, que ce soit en Belgique ou ailleurs d'ailleurs. Hein, ce n'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut, c'est faire discuter et réfléchir ces énoncés pour retrouver ou non les raisons de la validité d'un énoncé ou d'une règle d'action. En ce sens-là, la finalité de l'enseignement moral et civique, en tout cas dans l'esprit du programme, c'est d'exercer et de développer, alors moi j'appelle ça le jugement normatif, c'est-à-dire le jugement moral et citoyen, ou le jugement qui porte sur les choses qui pourraient être autrement qu'elles ne sont, c'est-à-dire qui porte sur le devoir-être. C'est des petites phrases comme ça, mais qui sont fondamentales depuis Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, où on fait la différence entre transmettre des nécessités, donc ça c'est la théoria, si vous voulez, c'est-à-dire que les choses ne peuvent pas être autrement qu'elles ne sont, alors que la morale et le droit réfléchissent continuellement sur ce qu'il convient de faire, ce que l'on doit faire, éventuellement à un moment donné, parce qu'il se peut très bien que ce qui était juste hier ne soit plus juste aujourd'hui. Hein? Tout à l'heure, on disait, ce serait, Laurence Lefel disait, il serait impensable de transmettre une morale toute faite, ça ne se fait plus, mais ça ne se fait plus parce qu'on est passé par mai 68, notamment. Et mai 68, c'est beaucoup de choses, mais c'est entre autres, culturellement, l'idée qu'il est interdit d'interdire, c'est ça qui fleurissait sur les murs. C'est-à-dire, il est interdit d'interdire, il est interdit, si vous voulez, de venir avec des choses toutes faites. Voilà, des interdits tout faits. Il faut donc prendre dorénavant le mot « interdit » dans son étymologie, c'est-à-dire ce qui a été dit entre les personnes. Inter, c'est ça, entre. Donc un interdit, c'est quelque chose qui vient a posteriori d'une discussion. Que cet interdit soit moral ou que cet interdit soit juridique, c'est-à-dire civique,
une loi, elle est débattue et elle sera le résultat de ce qu'on s'est dit entre nous, c'est-à-dire des raisons qui ont validé la loi, hic et nunc, aujourd'hui et maintenant. Le jour où la loi ne rend plus compte de cet accord, on la remet sur le métier, on l'abroge ou on l'amende. Voilà donc le métier de l'enseignant de morale et de civisme. Alors, ça c'est pour situer la spécificité. Maintenant, si on a quelque chose à transmettre, il y a, de façon sous-entendue, l'idée que l'on va pouvoir exercer ce jugement normatif et donc le faire croître. Donc il y a l'idée qu'on peut développer le jugement normatif. Alors moi, je ne peux pas développer ici parce que le temps, évidemment, est limité, mais je vous renvoie à au moins deux grandes théories du développement du jugement moral des citoyens. Je veux parler de la théorie du développement du jugement moral de Jean Piaget, qui écrit un livre qui, à mon avis, n'a perdu aucune ride aujourd'hui, qui s'appelle « Le jugement moral », bien qu'il ait paru en 1932, où Piaget analyse, observe et puis tire les conclusions de la façon dont les enfants se comportent par rapport aux règles d'action. Et il va, pour les garçons, les observer dans le jeu des billes et pour les filles, les jeux de la marelle. Hein, donc on est en 1932, mais il y a des enseignants qui me disent que c'est toujours le cas dans les cours de récréation. Donc, Jean Piaget va dégager trois grandes étapes du développement. Le moment de l'anomie, donc en grec, nomos veut dire la loi, et a veut dire la privation. Donc l'anomie, c'est la jungle, en quelque sorte, c'est le moment où il n'y a pas de loi. Et de fait, les enfants jouent les uns à côté des autres, sans conscience de la règle qui leur permettrait de jouer ensemble. Et c'est là où c'est très important de comprendre le rôle de la règle, évidemment, et donc de la morale en général. On ne pourrait tout simplement pas vivre sans morale. Il faudra donc attendre, grosso modo, l'âge de raison pour passer au stade de l'hétéronomie, c'est-à-dire où justement les enfants ont conscience de la règle, et c'est cette règle qui, en la suivant, va leur permettre de jouer ensemble de la même façon. Mais, à ce stade, les enfants ont tendance à sacraliser la règle, comme nous aussi, dans l'histoire de l'humanité, nous sommes passés par des étapes où nous sacralisions les règles. Elles s'imposaient à nous sans discussion. Et puis, le dernier stade est évidemment le stade de l'autonomie. On a rappelé tout à l'heure que le programme d'EMC s'inscrit au niveau de la finalité de l'autonomie du jeune, c'est-à-dire non pas sa capacité à faire les lois tout seul, ça n'a pas de sens, on ne fait des lois que parce qu'on est ensemble, mais l'autonomie au sens de Kant, c'est-à-dire le libre choix de la règle, c'est-à-dire j'obéis volontairement à la règle parce que je la trouve justifiée, parce que j'en ai retrouvé les raisons de la validité. C'est ça l'autonomie. Et ça, c'est notre objectif. La deuxième grande théorie est celle d'un Américain, Lawrence Kuhlberg, dans un ouvrage qui n'a jamais été traduit, ce qui fait que malheureusement, la transmission de ce que dit Kuhlberg est souvent déformée. Moi, je vois beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Mais on peut dire que, grosso modo, même si Kuhlberg part d'une théorie du développement du jugement moral chez le jeune et l'adulte, et s'il part d'un autre dispositif de mesure ou d'étalon du jugement,
à savoir pas la manière dont on se comporte par rapport aux règles du jeu, mais par rapport à un dilemme moral, il part d'un dilemme moral, à partir du dilemme moral, il va retrouver grosso modo les trois grandes étapes du développement de Piaget, c'est-à-dire le jugement préconventionnel ou le niveau préconventionnel, conventionnel et post-conventionnel. Je n'ai pas la possibilité de développer ça. Je voudrais vous dire que trois choses. D'abord, ce sont des théories du développement du jugement moral, très important. Alors, moi, je me permets d'associer jugement moral et citoyen parce qu'il n'y a pas de citoyenneté possible sans un jugement moral de fond. Donc, on peut associer les deux. On peut aussi, pour être tout à fait rigoureux sur le plan scientifique, parler de jugement normatif, c'est-à-dire de jugement qui porte sur ce que l'on doit faire. Ces théories ont été diversement critiquées, mais je pense que globalement, dans ce que je vous en donne comme résumé, c'est valable, ça n'est pas contesté. Toutes les contestations portent sur autre chose, mais pas sur les trois niveaux de développement que je vous ai renseignés. Moi-même, j'ai critiqué la théorie de Kölberg, mais je peux m'en servir malgré ces critiques parce qu'elles ont véritablement un contenu empirique observable qui les valide. Mais toutes ces critiques sont dues en partie au fait qu'on a confondu deux choses. On a confondu le développement du jugement moral et le développement de la moralité. Or, vous pouvez avoir des gens qui sont très solidaires, très généreux, très, je ne sais plus comment tu avais dit, dévoués, voilà, très dévoués, mais qui sont incapables de le formuler en termes de jugement et certainement de jugement abstrait. Du coup, certains pourraient croire qu'ils ne sont pas moraux, mais non. C'est leur jugement moral qui n'est pas développé suffisamment, peut-être, mais ça ne dit rien de leur moralité. Par contre, c'est important, nous, de nous fier à des théories du développement du jugement moral et pas de la moralité des gens, parce que, à l'école, nous ne pouvons travailler que sur le jugement et pas ni sur l'action ni sur le comportement. Donc, il est important de faire la distinction et il est aussi important de travailler sur le jugement parce que d'autres études ont montré qu'il y a une bonne corrélation entre le développement du jugement et le développement de l'action. Autrement dit, si on sait ce qu'on doit faire, la probabilité qu'on le fasse est plus grande que si on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc, le fait de faire réfléchir nos élèves à ce qu'il faut faire est quand même une plus grande probabilité pour améliorer leur comportement. Voilà. Ça, c'est, je dirais, l'ABC. Mais vous avez conscience, comme moi en tout cas je veux le souligner ici, que j'ai été d'un schématisme crasse. Hein, et donc je vous renvoie au moins à un bouquin que j'ai fait avec une collègue Chloé Rocourt et qui s'appelle « Pour une didactique de l'éthique et de la citoyenneté » avec un sous-titre « Développer le sens moral et l'esprit critique des adolescents ». Et il y a en plus dans cet ouvrage-là, c'est le seul, d'ailleurs, 19 leçons pour l'enseignement secondaire, donc collège et lycée, alors que la plupart des autres ouvrages s'adressent essentiellement aux 5-14 ans. Mais là, pour une fois, je dépasse les 14 ans. Alors, maintenant,
Puisqu'au départ, la demande de M. Condette et des organisateurs des matinales était d'inscrire la conférence dans la recherche, nous nous étions mis d'accord dès le départ sur le fait qu'on allait réfléchir au fait, est-ce que l'enseignement moral et civique permet de développer le jugement normatif. Et donc, j'avais choisi de vous parler d'une grosse recherche que j'ai entreprise il y a quelques années et que j'ai complétée par la suite. Et donc, dans cette recherche, j'ai essayé de mesurer la croissance du jugement normatif en pratiquant de façon régulière la discussion avisée philosophique, mais le dispositif tel que on ne le pratique pas encore en France, ça vient, mais tel que je l'ai adapté en fonction donc des finalités de l'enseignement moral et civique, je vous en dirai un mot tout de suite. Mais d'abord, la recherche. Alors, la recherche, c'était une recherche action, c'est-à-dire que j'ai réuni 19 instituteurs qui étaient tous mes anciens étudiants pour éviter le biais subjectif, donc qui avaient été déjà formés, si vous voulez, à l'enseignement moral et civique pour faire vite, en Belgique et au Luxembourg, parce qu'on a, enfin, on a aussi des enseignants français, mais on a surtout des enseignants qui s'inscrivent à partir du Luxembourg. Donc, c'était 19 instituteurs sur Belgique et Luxembourg, ce qui représentait un échantillon de 400 enfants de 5 à 13 ans. 13 ans parce qu'il y avait des élèves qui avaient doublé. Mais en fait, chez nous, l'école primaire en Belgique, c'est de 6 à 12 ans. Mais on peut y entrer plus tôt. Et on peut, en cas de redoublement, terminé un petit peu plus tard. Voilà pour l'échantillon. Alors, il y avait des groupes expérimentaux et des groupes témoins, bien sûr. Je peux vous dire, sur le plan de la recherche, au niveau de la méthodologie, qu'on a évidemment fait attention aux biais, pas simplement subjectifs de l'enseignement, mais aux biais socio-économiques de l'implantation de l'école, etc. Donc tout ça, vous allez voir, je vais vous donner la référence pour la méthodologie de la recherche. Mais en tout cas, on a fait une recherche qui compare classe d'âge par classe d'âge, parce que sur le plan des théories du développement du jugement moral, évidemment, il y a une bonne corrélation entre les stades du développement du jugement moral et l'âge. Et donc, ça n'a pas de sens, évidemment, de comparer le jugement moral d'une classe de 5-8 ans avec une classe de 11-12 ans. On a mis tous les enfants donc devant un pré-test. Le pré-test était un dilemme moral. On a mesuré le jugement moral des enfants, la classe du jugement moral des enfants, selon les justifications apportées à l'issue du dilemme moral, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Laurence Kölberg ne dit pas que la morale dépend de l'issue au dilemme, mais des justifications avancées pour choisir telle ou telle issue. Autrement dit, on peut très bien choisir l'issue A et l'issue B avec une même justification. Le but n'est donc pas de diagnostiquer un niveau de moralité en fonction de l'issue choisie. Ensuite, le groupe témoin a suivi son cours normal, alors que le groupe expérimental a subi, ou peut-être a été l'objet, je dirais, pour être moins négatif, un dispositif mensuel de discussion avisée philosophique.
Et donc, la différence, vous la voyez, entre T, qui est le groupe témoin, et E, qui est le groupe expérimental. On avait une forte croissance dans le groupe 5-8 ans, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Pour les 6, 7 et 8 ans, mais pour les 5 ans, c'était une régression. C'est pour ça que j'ai fait une deuxième recherche, essentiellement en maternelle, parce que pour moi, je savais que ça posait problème sur le plan de la croissance. Voilà. Donc, ça correspond... Ça correspond pour les enfants donc, de 7-8 ans. Vous voyez, au stade 3, ils sont passés entre le début de l'année, donc pré-test, et le post-test qui a été fait donc après la DVP. Ils sont passés dans le groupe témoin de 22-46 à 25-36 pour ceux qui avaient eu l'expérimentation, c'est-à-dire qui avaient discuté en discussion à visée philosophique à raison d'une par mois. Donc on a une croissance au stade 3 de 2,9% et au stade 4 de 2,17%. Ceci dit, je savais déjà au niveau des recherches que si on mettait en place des discussions, pas forcément à visée philosophique, mais des discussions sur des problèmes moraux, on obtenait une croissance de N plus 1, c'est-à-dire si on était au stade 3, on passait au stade 4. Bon, à mon avis, il faut affiner la question, c'est pour ça que moi, j'ai plutôt fait une croissance en pourcent qu'en stade, parce que sur une période aussi limitée et avec un dispositif par mois, ça aurait été impossible. Si je m'étais donné ça comme objectif, je n'aurais jamais pu le mesurer. Voilà. Mais donc, vous voyez que pour les 11-12 ans, 10-11 ans, la croissance est plus forte de 5,09% et 7,92% au stade 4. J'en profite pour dire que d'autres études montrent qu'il y a un développement accéléré entre 11 et 16 ans, d'où l'importance d'aussi responsabiliser nos collègues futurs enseignants du secondaire, parce que c'est là aussi où la croissance est accélérée. Et si on la loupe, eh bien, en fait, on loupe tout simplement cette croissance du jugement normatif, ce qui, en termes d'éducation morale et civique, est évidemment fort dommageable. Voilà. Donc, vous trouverez online, gratuitement, toute la recherche dans la revue française de pédagogie. Le numéro... Voilà. Le numéro 166, il se trouve online, gratuitement. Et ça a été complété donc, par le maternel dans le numéro 186. Je vous dis un mot sur cette recherche. Donc là, il n'y avait que 50 enfants qui ont eu un atelier philosophique sur les émotions du 29 septembre au 15 décembre à raison d'un quart d'heure par semaine de discussion, mais une séquence de 30 à 45 minutes. Il y avait deux groupes expérimentaux, donc 34 enfants, et un groupe témoin de 16 enfants. Et donc là, c'est ma collègue et moi-même qui avons animé les ateliers. Faute de temps, on n'avait pas d'enseignants qui pouvaient mettre ça en musique, je dirais, donc on l'a fait nous-mêmes. C'est d'ailleurs le trac de ma vie, c'est d'aller en maternelle, ça je vous le garantis. Les résultats pour les 5 ans, c'est donc un bénéfice au niveau de l'expérimentation de 3,78% en 2 mois et demi. Alors je ne sais pas si cette croissance est maintenue dans le temps, hein, si elle n'était pas entretenue. Ça, je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier, il y a matière à recherche
à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est, si vous voulez, l'intérêt de cette recherche, c'est d'arrêter avec cette idée que l'enseignant de morale et de citoyenneté est un être généreux, plein de bonne volonté, qui va faire le bien. Hein. Donc, en Belgique, on a un peu ce profil de l'enseignant, et donc, le côté professionnel de cet enseignement pourrait être délaissé, alors qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut travailler et enseigner et former. Donc moi, je ne donne plus cours, mais par contre, j'ai toujours en charge la formation continue des enseignants et même des inspecteurs en Belgique. Voilà. Alors, la discussion à visée philosophique était notre dispositif. Donc on ne fait pas de la philosophie, ça je dis pour ceux qui pourraient penser qu'on fait là un contenu disciplinaire philosophique. Pas du tout. La discussion à visée philosophique, le mot important, c'est discuter. C'est donc avant tout un dispositif de didactique de l'oral, parce que dans notre école, on a surtout une formation à l'écrit et insuffisamment à l'oral. Donc, je pense qu'il n'y a que 15 ans, peut-être, qu'avec des Bernard Schneuli en Suisse et j'oublie l'autre nom maintenant, mais enfin, c'est tardif, la didactique de l'oral. Donc, la discussion à visée philosophique a pour but de faire s'exprimer par une discussion argumentée les élèves. Mais à visée philosophique, c'est-à-dire que ce que nous visons, ce sont des compétences que normalement la philosophie nous permet d'atteindre, c'est-à-dire essentiellement apprendre à réfléchir, argumenter, se répondre, être cohérent, ne pas faire des paralogismes, etc. Donc tout ça, ce sont des compétences qui sont aussi poursuivies par la discipline philosophique. Mais on ne fait pas de la philosophie. On va ici utiliser le dispositif pour former au jugement normatif. Et du coup, il ne faut jamais mettre en place ce dispositif sans réfléchir aux finalités. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous propose de vous dire quelques mots du protocole de la DVP tel que je l'applique. Donc, la toute première chose, par exemple, c'est, parce que vous allez voir que je pars d'histoire et de contes, le livre dont parlait Laurence Lefel tout à l'heure, c'est « Discussion à visée philosophique à partir de contes ». Et j'ai vraiment travaillé avec Yann Lantier qui a rédigé les contes parce que je voulais une bonne qualité narrative. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Mais donc, ce sont des contes africains, enfin des contes en Afrique plutôt, pas des contes africains, des contes en Afrique. Et donc, j'indique au tableau, par exemple, des noms propres ou des noms vraiment inconnus au tableau noir. Pourquoi ? Pour éviter déjà une mécompréhension à l'audition. Donc, ça ne sert à rien de briser l'attention parce qu'on ne comprend pas un nom. Donc, j'écris trois noms au tableau. Je pars donc d'une citation, d'un conte, d'une fable, d'un dilemme moral, c'est-à-dire des choses courtes qui vont nous faire entrer immédiatement dans le vif du sujet, le sujet étant les questions morales au sens large, qu'elles soient privées ou citoyennes, il s'agit de questions morales. Je vous rappelle que dans l'histoire de la littérature, les contes et les fables, c'était une tradition orale qui transmettait des contenus moraux. C'est pour ça que c'est intéressant de repartir de là. Ensuite,
Oui, lu par l'enseignant. Donc là aussi, il y a plein de gens qui proposent de faire des discussions à visée philosophique où chacun lit, les élèves lisent. Parce que ça développe la lecture, dit Lippmann, par exemple. Il a raison. Mais on n'est pas là, nous, à ce moment-là, pour développer la lecture. On est là pour développer le jugement normatif. Donc, on s'en fiche de la lecture à ce moment-là. Donc, c'est l'enseignant qui lit. Et il lit en mettant, avec toute son expressivité narrative et même esthétique, il utilise tout ce potentiel-là pour déclencher des questions. Je vais y arriver. Mais avant cela, il est très important de faire vérifier auprès des élèves qu'ils ont compris l'histoire et on leur demande de reformuler l'histoire avec leurs mots. Vous allez voir que ça évite après toute une série de questions qui n'ont aucun intérêt. Et que parfois, certains enseignants écrivent au tableau toutes les questions qu'ils amènent alors qu'on va pouvoir en discuter pendant une heure et on ne pourra jamais répondre à la question. Je vous donne un exemple. Je fais une DVP, par exemple, sur le roi Bax qui, tous les 5 ans, distribue une vache ou un veau à chacun de ses ressortissants. Et la première fois qu'il distribue ça, y a un fou qui dit « Mais c'est pas juste de développer, de donner un bovin à chaque habitant. » Et le Bax, donc le roi, lui répond « Tu n'es qu'un vieux rouspéteur fou. » Puis à la deuxième distribution, il fait la même chose, il distribue une vache ou un bovin à chaque ressortissant, et là, c'est tous les pauvres du Boal du Sénégal qui protestent en disant « C'est pas juste de donner un bovin à chaque ressortissant. » Et le roi dit « Si, c'est très juste de donner un bovin à chaque ressortissant. » Puis, à la troisième distribution, il se dit « Bon, cette fois-ci, je vais quand même prendre conseil. » Et il appelle Deg, le sage du royaume, qui lui dit « Mais, sire, ils ont raison, tous ces rouspéteurs. Ce qu'il faut faire, c'est donner une vache à ceux qui en ont déjà 3 et donner 3 vaches à ceux qui en ont qu'une. » Et puis le roi Bax fait ce que le sage lui a dit et tout rentre dans l'ordre et le roi redevient très gentil. Et puis voilà l'histoire. Alors, évidemment, il y en a qui commencent à inventer plein d'histoires. Hein? C'est-à-dire que le roi Bax a donné des vaches à ceux qui n'en avaient pas, enfin bref. Donc, si à ce moment-là, vous ne faites pas reformuler le récit convenablement, ils vont, au moment du point 4, c'est-à-dire au moment où vous allez cueillir quelques questions pour amorcer la discussion, ils vont vous poser des tas de questions auxquelles on ne pourra pas répondre. Donc, cette cueillette de questions a pour but de répondre, par exemple, écoutez ça, on pourra en discuter pendant une heure, l'auteur ne nous le dit pas. Donc, notre discussion n'aurait aucun intérêt parce que nous ne sommes pas l'auteur. Et donc, on va évacuer toute une série de questions qui, sur le plan technique, on appelle des questions factuelles et on ne va garder que les questions où la réponse est loin d'être évidente et qu'on pourra appeler des questions philosophiques au sens large. Néanmoins, on cueille quand même des questions parce qu'on apprend par ce biais-là aux élèves à se questionner. Et c'est ça le début de l'esprit critique, évidemment, c'est de ne pas prendre un récit, fût-il un conte, pour argent comptant, mais à se dire, tiens, ce qu'on me raconte, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est juste, est-ce que ça vaut la peine, etc. Bref, c'est pour déclencher une réflexion qui est le début de l'esprit critique. Mais par exemple, Lippmann, lui, il travaille pendant 3 quarts d'heure à questionner. Bon, c'est pas inintéressant, mais alors on apprend à questionner, on ne fait pas de l'enseignement moral et civique. Vous comprenez la différence? Donc c'est très important de chaque fois vérifier ce que je fais, est-ce que ça a du sens par rapport à ma finalité éducative. Ensuite, on fait une discussion
qui faisait donc un quart d'heure en troisième maternelle, qui doit faire 20 minutes, je dirais, jusqu'à 11 ans, et on peut passer à 30-35 minutes dans le secondaire. Voilà. Cette discussion, elle doit être minutieusement préparée par l'enseignant. Il doit préparer tout le fil conducteur, comment il va faire rebondir la discussion, comment il va faire en sorte que les élèves se répondent. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le jeu de billes, les enfants jouent les uns à côté des autres, et bien en matière de discussion, des études ont aussi été faites. On peut parfaitement discuter pendant 30 minutes sans se parler, sans se rencontrer. Et donc, c'est le rôle de l'enseignant de dire « Ah ben, qu'est-ce que tu penses de ce que Annabelle a dit ? Et là, es-tu d'accord avec Daniel ?» Bref, on va aider les enfants à se parler entre eux et donc à vérifier s'ils sont d'accord ou pas sur ce qu'ils disent. Alors, le point 6 n'existe pas dans les dispositifs tels que je les vois souvent appliqués en France, et c'est ce que j'ajoute, si vous voulez, à ce protocole, qui est la production par écrit d'une sagesse du jour individuelle, ce que j'appelle généralisée. Donc, je voudrais dire d'abord que n'importe quel enseignant conclut toujours une leçon par la phase de généralisation au premier degré et au lycée par une phase de synthèse, de conclusion. On ne sait pas faire des conclusions au premier degré, donc on leur apprend à généraliser, c'est-à-dire à partir de l'histoire, puis on sort de l'histoire, on parle d'aujourd'hui, du contexte de la classe. Du contexte de la classe, on passe au contexte de la société. Donc, on passe de contextes de plus en plus généraux, et puis, on doit être en mesure de former nos élèves à généraliser ce qu'ils ont à dire. Et donc, il faut prévoir un moment pédagogique pour ça. Un, si on s'arrête après la discussion, ben, il manque quelque chose. Deux, on a discuté ensemble. Or, on est là pour former au lien entre l'individu et le commun. Donc, il est important sur le plan pédagogique de passer du commun à l'individuel. Il y a un moment où on va produire individuellement une idée. On a entendu les idées des autres, éventuellement on a participé à cette discussion, pas toujours, mais donc il est important de prévoir un moment où moi, je vais élaborer. C'est donc la production personnelle d'une sagesse du jour. Ça se fait par écrit. Pourquoi ? Mais d'abord parce que, je vous l'ai dit, notre culture pédagogique est surtout une culture de l'écrit. Et on n'a pas l'habitude de traduire ce qui se dit oralement en écrit. Donc c'est un moment important du passage de l'oral à l'écrit. Enfin, nous sommes là avec l'enseignement moral et civique dans la transmission d'un savoir pratique, ce que les Grecs, Aristote en particulier, appelaient une sophia, une sagesse. Nous avons perdu par l'histoire, et notamment l'histoire religieuse de notre pays, qui a imprégné notre culture pédagogique, on a oublié ce que c'est qu'une sagesse, c'est-à-dire un savoir pratique. Pourquoi ? Mais parce que pendant des années, des siècles, le mot « sophia » grec a été traduit en latin par « sapientia » et puis par la sagesse, mais qui ne voulait plus dire « savoir », mais qui voulait dire « obéir ». Obéir à qui ? À Dieu. Donc, la formation morale et même civique pendant des années, parce que sous Charles Quint, la morale civique était une morale de l'obéissance, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a choisi le christianisme pour unifier son empire, on a oublié que la sagesse, c'était
ce n'était pas seulement obéir à des règles toutes faites. Hein. C'était le produit d'un savoir. Et donc, je reviens, si vous voulez, à cette idée, en mettant les élèves devant la nécessité de produire un savoir pratique. Et la consigne est la suivante, maintenant avec tout ce qu'on s'est dit, toute cette discussion que nous avons eue, si jamais votre ami avait quelque chose à distribuer, puisque je suis dans la distribution des vaches et puis on est passé par la sécurité sociale, par la discrimination positive, par tout ce qui concerne la redistribution des richesses. Ça, c'était l'objet de ma discussion. Maintenant qu'on a discuté tout ça, si tu as un ami qui a quelque chose à distribuer, quel conseil lui donnerais-tu? Le mot « conseil » fait que, immédiatement, les élèves sont dans la situation de produire un « il faut ». Il faut que tu fasses attention à ceci, ou il faut que tu donnes 3 vaches, voilà, à ceux qui n'en ont qu'une. Hein. Donc, on est tout de suite, en donnant dans la consigne le conseil, on est tout de suite dans le normatif, et donc dans la sagesse et dans le savoir pratique. Ensuite, exercice d'un vote. Vote de la sagesse du jour de la classe. On dit bien que parmi tous les conseils qu'on a mis au tableau, parce que tout le monde n'a pas l'obligation de donner ce conseil, donc tout le monde n'a pas l'obligation de donner sa sagesse, parce qu'il y en a qui sont contents de ce qu'ils ont produit et puis d'autres pas. Donc on met quelques sagesses au tableau et puis on va voter tous ensemble pour la sagesse qui va traduire le mieux notre réflexion et notre discussion du jour, et on fait l'expérience du vote et donc de la prise de position. Et c'est cette sagesse individuelle, cette sagesse de la classe qui sera inscrite au carnet de l'apprenti philosophe et qui va rester comme la mémoire de notre discussion, en sachant que demain, peut-être, on va produire une autre sagesse, voter autrement, parce que notre pensée est une pensée en évolution. Voilà, et puis évidemment, une phase d'intégration, mais là, je n'ai rien de particulier, sauf qu'on l'oublie, c'est la phase d'intégration, c'est-à-dire une phase où on va mettre les élèves dans une autre situation, mais où ils doivent être capables de transférer ce qu'ils ont acquis. Voilà, mais ça fait partie de toute leçon. Et tout ça se trouve donc au carnet de l'apprenti philosophe. Et donc, je ne sais pas combien de temps il me reste. Un bon quart d'heure. Donc, la préparation de l'enseignant, j'attire son attention sur le fait qu'en matière d'enseignement moral et civique, il s'agit d'abord de déterminer quelle est la problématique morale ou citoyenne auquel je convie mes élèves à discuter et à réfléchir. Donc, par exemple, dans le petit livre dont parlait Laurence Lefel, Discussion à visée philosophique à partir de contes, ben, il y a des thèmes comme « Doit-on dire la vérité ?» Toujours, dans quel cas pas, etc. Enfin, c'est un domaine de réflexion morale au sens large, bien que nous savons que sur le plan politique, si les nazis viennent à notre porte, par exemple, nous demander si nous cachons, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, un enfant juif, est-ce que je dois leur dire « oui, il est là, je vous le présente ». Ou est-ce qu'au contraire, je leur cache la vérité? Donc c'est tout ce débat très philosophique sur les conditions de la vérité. Est-ce que le mensonge pourrait se justifier? Si oui, dans quel cas, etc. Faut-il traiter tout le monde à égalité? Donner plus à ceux qui ont moins? Ce qui était l'objet du conte dont je viens de vous parler. Est-ce qu'on est pour une monarchie mono-archaïne, c'est-à-dire le pouvoir d'un seul, ou au contraire pour une démocratie, c'est-à-dire pour le pouvoir de tous, ou pour une
aristocratie, c'est-à-dire le pouvoir des élites. Bref, tout ça, ça mérite d'être réfléchi et discuté en matière d'enseignement civique. Puis, il faut choisir le support adéquat. Donc là, je vous ai déjà dit un mot. Il faut travailler avec des choses courtes. Aujourd'hui, on fait parfois des discussions à visée philosophique à partir d'albums de jeunesse où Lippmann, par exemple, il a un roman par année scolaire. Bon, alors, vous voyez, on finit par lasser les gens, les élèves aussi. Moi, je propose vraiment de partir le support court. Il faut que l'enseignant écrive quel serait le projet de la sagesse du jour si on lui posait la question, parce que ça va lui servir de fil conducteur pour animer la discussion. Il faut bien faire l'inventaire des concepts à définir, parce que, par exemple, dans le cas, le conte dont je vous parlais, c'est quoi l'égalité, c'est quoi la justice ? Alors viennent des concepts comme la discrimination positive, l'équité, etc. Donc il faut définir au départ les concepts et puis les mettre en musique, je dirais, c'est-à-dire mettre à la destination des élèves comment pouvoir penser ces concepts, puisque nous savons que les élèves, notamment du premier degré, et encore jusqu'à 14 ans, 15 ans, ils n'ont pas une approche ils n'ont pas la possibilité d'avoir une approche abstraite du concept. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de la philosophie avec eux, parce qu'ils n'ont qu'une pensée concrète, c'est-à-dire que le concept est défini par des exemples et des contre-exemples. Des exemples oui et des exemples non. C'est pour ça qu'il y a une didactique aussi derrière tout ça. Il faut prévoir un argumentaire, donc les arguments en faveur de la norme, en faveur de la règle d'action, et au contraire, des arguments contre la règle d'action, en lien avec la problématique choisie. Il faut penser que nous avons des attachements, c'est-à-dire des valeurs, parce que la question des valeurs, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais la valeur... C'est un concept qui résume une règle d'action, mais auquel on est attaché. C'est pour ça qu'il y a une différence entre le concept, par exemple, d'un secte et le concept de liberté, parce que nous sommes attachés à la liberté, pas forcément à l'insecte. C'est la différence entre un concept et une valeur, un des exemples. Voilà. Mais bon, tout ça, c'est de la didactique, hein, je veux dire... Et puis, il faut prévoir une feuille du carnet de l'apprenti philosophe. Prévoir une phase d'intégration, voilà. Au niveau de la conduite de la discussion, ce sont des problèmes assez techniques. Mais il faut partir de la question la plus éloignée de l'objectif. Donc, les élèves vont venir avec deux ou trois questions. Vous les notez au tableau. Vous mettez le prénom de l'élève qui l'a posé pour le responsabiliser dans sa question. Éviter les petits malins qui vont essayer de tester votre discipline, mais dans l'autre sens du terme, et qui vont donc poser n'importe quelle question. Le nom pour responsabiliser l'élève qui la pose, et aussi pour responsabiliser le groupe dans la recherche coopérative de la réponse à la question du condisciple. C'est pour ça que le prénom, à ce moment-là, est important. Mais... Partez de la question la plus éloignée de votre objectif. Pourquoi ? Si vous partez en ordre chronologique, eh bien, vous risquez, par exemple, de revenir à l'histoire. Or, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un point de vue pédagogique, vous devez penser justement comment vous allez sortir de l'exemple très concret et aider l'élève à généraliser. Donc, vous devez sortir de l'histoire. Vous devez sortir de l'exemple concret. Et donc, il faut partir de la question la plus éloignée pour cette raison-là. Ensuite, progresser vers la problématique selon le plan de discussion que vous aurez préparé. Sortir de l'histoire. Procéder par conclusion intermédiaire. Donc, n'oubliez jamais que on n'est pas au café. Donc, on fait une discussion... Et donc, on va à chaque moment... Ah, donc nous pensons que...
Sur ce point-là, nous sommes d'accord. On va plutôt parler de justice dans ce cas-ci, plutôt parler d'égalité dans ce cas-là, d'équité dans ce cas-là. Donc progresser par conclusion intermédiaire pour enrichir la conclusion. Donc ça, j'ai déjà dit tout à l'heure, faire se répondre les élèves, d'accord, pas d'accord, pourquoi ? Il faut nourrir la discussion. N'oubliez jamais que vous êtes un enseignant et que l'élève se demandera ce qu'il fiche là, dans votre classe, si il ne doit apporter que ce qui est en lui. Donc, je parlais tout à l'heure de la sécurité sociale. Dans la famille, pour répondre au monsieur qui demandait le travail avec la famille, dans la famille, on sait ce que c'est qu'un chômeur, on sait ce que c'est qu'une allocation familiale, on sait ce que c'est qu'une retraite, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas à l'école en liaison avec la redistribution des richesses ? Dire, eh ben voilà, nous, on a un système de sécurité sociale. Par un système de questions, vous l'amenez, et puis vous le complétez et vous lui apportez quelque chose. C'est ça, parler des valeurs de la solidarité de la République, c'est qu'on a un système de solidarité. Et donc, c'est important de leur apprendre ça, de mettre des mots là. Mais ça, vous allez nourrir la discussion en leur apportant des choses. Voilà. Donc ça, je peux passer. Donc, je voulais justement vous donner un exemple de ce qui va venir en classe. Donc, par rapport au conte en Afrique de Yann Lantier, donc, qui s'appelle « La juste égalité », dans le petit livre dont Laurence Lefel vous a parlé, les questions que j'ai cueillies... Non, ce n'est pas moi qui ai cueilli. En 7-8 ans, c'est une collègue... De 7-8 ans, trois questions. Pourquoi le fou est-il mécontent ? Ensuite, pourquoi les pauvres sont-ils mécontents ? Et pourquoi le roi n'a-t-il pas eu l'idée lui-même ? Avec ça, c'est génial, vous voyez ? On est parti sur, y compris ce que c'est qu'un fou, est-ce qu'un fou ne dit pas parfois la vérité ? Bref, c'est pas ça l'objet de ma DVP aujourd'hui, mais en partant du mécontentement de Doff, c'est-à-dire du fou, ben évidemment, on est tout de suite au cœur du sujet. Est-ce que distribuer la même chose à tout le monde, est-ce que c'est juste ou pas ? Bon, voilà, je crois que tout le monde a bien compris. Donc, je vous donne maintenant ce que les élèves de 11-12 ans disent dans la DVP que j'ai animée. Pourquoi Bax est-il injuste ? Bax, c'est donc le roi. Pourquoi Doff rouspète-t-il ? Vous voyez qu'il n'y a pas de grosse différence entre 7-8 ans et 11-12 ans en matière de questions. Oh, pardon. Et pourquoi Bax donne-t-il une vache à chacun ? Donc ça, en fait, on ne le sait pas. C'est l'auteur qui nous le dit, mais on peut, à partir de là, commencer à réfléchir. Et donc... Je pense qu'il faudrait partir de cette question-là qui est la plus éloignée, la plus proche de l'auteur. Voilà. Alors, je vous ai aussi écrit les sagesses qu'ils ont produites individuellement. Donc, 7-8 ans, il faudrait que tous les hommes aient les mêmes choses. Si j'ai un bonbon et mon cousin deux... Et si on en reçoit chacun encore deux, ce n'est pas juste car on n'a pas le même nombre de bonbons. Donc vous voyez, les enfants ne savent pas, même en mathématiques, ils ne savent pas ce que c'est que l'égalité. Mais vous voyez comment on peut leur faire contribuer à la didactique des mathématiques et notamment du concept d'égalité avec des problèmes de redistribution. Donc là, c'est juste de ne pas donner la même chose pour qu'à la fin, tout le monde ait la même chose. Donc, égalité de résultat. Il est juste de ne pas recevoir la même chose pour qu'à la fin, chacun ait la même chose. Alors, les 11-12 ans, l'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce que quelqu'un a moins de choses qu'il faut lui en donner plus. Donc,
Ça, par exemple, quand je travaille avec les enseignants avec la même DVP, c'est très rare que les enseignants admettent qu'on ne veut pas donner à ceux qui ont moins. Hein, parce que, bon, on essaye d'être moral. Mais c'est très important, évidemment, de discuter de ces conditions de redistribution. Est-ce que tout le monde trouve juste qu'on vienne vous prendre des choses pour les donner aux autres? Ça fait partie de la réflexion. Là, l'enfant, ben, il le dit. Bon, après, il ne sera pas content avec la sagesse qu'on a votée. C'est pour ça qu'il est aussi très important de bien stipuler que la sagesse, ce n'est pas la vérité. La sagesse qu'on va élire à la fin de la journée, ce n'est pas la vérité. C'est, ben voilà, après la discussion, on s'est mis plutôt d'accord là-dessus. Mais tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et peut-être que ceux qui ne sont pas d'accord aujourd'hui seront d'accord demain, mais peut-être ne le seront-ils jamais. Donc là, position plutôt méritocratique, je dirais. Après la distribution, tout le monde doit avoir la même quantité, donc vous voyez, c'est égalité de résultat. Il faut donner plus et moins selon ce que les personnes ont déjà. Donc là, il y a l'idée de la discrimination positive. Il faut être juste et égal de manière à contenter tout le monde. Donc là, il y a l'idée du contentement. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de donner et encore réfléchir à ce qu'on donne, il faut aussi veiller à l'adhésion de tous, c'est-à-dire que ça ne crée pas un remous dans la société qui fait que les gens ne sont pas d'accord de donner, par exemple. Pour être juste, il faut donner plus à ceux qui ont le moins et moins à ceux qui ont le plus. Donc ça avait obtenu 13 voix. Pour rendre les gens égaux, il faut donner plus à ceux qui ont le moins et moins à ceux qui ont le plus. Et puis, ne crois pas que ce soit injuste de recevoir moins quand tu as plus. Et vous voyez que c'est en gras parce qu'elle avait 13 voix au départ. Et donc, quand on arrive à un ex-aequo, on revote, mais cette fois-ci en choisissant seulement entre ces deux sagesses. Et donc, c'est celle-là qui l'a emportée avec 14 voix. Et voyez l'intérêt de la formulation, parce qu'elle prend le contre-pied et elle dit « Si je reçois moins, ce n'est pas forcément qu'on a été injuste avec moi, parce que j'avais plus ». Donc, si vous voyez tout le chemin qui a été fait, c'est pas très compliqué, mais c'est très fort et très puissant, parce qu'on ne sait pas faire ni de morale ni de citoyenneté sans réfléchir à ce qui est juste. Hein? Et aux deux grands modèles de justice depuis Aristote, c'est-à-dire la justice commutative qui consiste à donner la même chose à tous, ou la justice distributive qui consiste à donner en fonction, de façon différente en fonction des individus. Voilà. Alors, donc ça c'est les sagesses qui ont été votées, mais ça je vous l'ai déjà dit. Et je ne pense pas qu'on ait le temps. Hein? On va s'arrêter là. Encore 5 minutes. Mais comment mesurer ce développement? C'est vraiment une question de méthodologie de la recherche. Donc, si ça intéresse des gens, je suis prête d'y répondre dans la discussion. Mais sinon, je pense que c'est mieux de laisser la place à la discussion pour que je puisse mieux répondre à l'intérêt de ce qui vous anime, vous. Voilà, on va rester là et je vous en remercie.